bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Brotato. On est toujours avec Chobiti sur Abyssal Terrors. Salut Chobiti. Bonjour le Signe, bonjour tout le monde. Et du coup, ouais non tu vois, quand je débloque quand je vire coopératif... Attends, ah du coup quand tu vires coopératif c'est juste tout seul. Hop, voilà c'est ça, on passe tout seul du coup. D'accord. Donc on est obligé de jouer en coop. Mais je pense que je vais reprendre la créature, moi j'avais bien aimé. On va retourner dans les abysses peut-être. Je vais tenter le vampire. Ça m'a l'air compliqué pour moi. Tu pars en voyage en famille. Bah, bonne journée Loevan et bon voyage du coup. Bon week-end j'imagine. Profitez bien. Ah oui, du coup tous nos scores sont remis à zéro. Il n'y a aucun perso qu'on a réussi du coup. Je peux reprendre le randonneur. Au moins 50 matériaux lâchés, il faisait mal, mais... Donc, je vais pas gagner beaucoup d'XP. Ouais, non, c'était pas idéal. Je vais réessayer le chef. Je vais... À la force, il y a peut-être un moyen, je vais peut-être réussir à... Donc il faut plutôt que je parte sur de la mêlée. Peut-être réussir à force d'essayer. Chef, il fait de la chance. Il donne plus de dégâts sur les sources non élémentaires contre les cibles en feu. Les consommables explosent et infligent des dégâts lorsqu'ils sont ramassés. Je commence avec une saucisse effrayée. Les ennemis ont plus de vie par contre. Et il y aura moins de dégâts élémentaires. Assez. Distance, ouais. Quoique. Je commence avec une saucisse. Ouais, tu peux passer sur la saucisse pour faire des flammes et. Passer quoi? 50% de mêlée, 15% de vie, plus 5 PV ramassant des consommables. Ouais. Par là-dessus. Un bâton. Des crevettes. Bon, c'est pas des crevettes. Des crevettes. Je veux manger des crevettes. À moi, les crevettes. Ah oui, du coup, là, j'ai... Ouais, ma saucisse, elle prend pas des masses. Ouais. Ouais, donc non. La torche était quand même une bonne idée. Du coup, avec le bouclier, plutôt de l'armure. Attends, mes augmentations de dégâts sont... Non, de dégâts élémentaires. Ok. On va prendre les PV, mais... Verrouiller ça. On va essayer de verrouiller le petit poisson. On va verrouiller le café. On va essayer de proquer du maudit, hein. Ça coûte moins 2. Tant pointu. Tu as l'arme à feu. Ça fait quoi la saucisse? Comment ça met les flammes? La saucisse, ça... 25% de chance d'afficher la blessure. Oui, ok. Oui, donc faut que tu... Bah, faudrait multiplier les cibles, donc le... Ouais, l'arme de corps à corps semble plus logique, mais... Ouais, mais j'avais quand même envie de... Oh ouais. C'est toi qui vois. C'est moi qui vois. Le problème, je pense, de la distance pour toi, c'est que tu fais des dégâts sur les trucs qui ont des flammes, mais il faut que tu les tapes après, quand ils sont enflammés. Et l'arme à feu, c'est vraiment pas précis. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est peut-être pas le bon choix encore, hein, mais... Bah, je reprends les PV. Ah, le café est maudit, parfait. Main nue, support. C'est... Il me manque un sou. Yannak. Mes sous. C'est qui mes sous? Je crois qu'il y a des ponces, hein. C'est humain.
Ouais, les grosses. Ouais, il faut même. Pas vraiment des coquilles Saint-Jacques, mais ça fait un peu penser à ça avec le pied. Bah, moi je pense que c'est des palourdes. Bien pour se soigner, c'est chaud quand même. Hein. Ah, il est maudit celui-là. Ça vaut peut-être le coup de changer un peu complètement de direction. On n'est que 24 après tout. Ah oui, tu peux te permettre, ouais. Avec un truc maudit. Change de jambe, le chien. Tout va bien, tout va bien. Voilà. Combien en dégâts en mêlée? Rien. Petit, rien. Parce que du coup, avec une seule arme, je tombe quand même assez lentement. Ça fait mal, mais c'est lent. Vraiment. Oh merde. Allez, 3 secondes. Trop lent. Il me faut plus là. Il me faut plus de patates. Le bâton il fait plus de dégâts quand t'as plus de bâtons. Ouais, mais je pense que je vais le garder. Quoi. L'esquive c'est bien quand même. Pas des dégâts en mêlée, c'est bien. Bah, du coup je prends la torche quand même. Yes, le détecteur de métal maudit. Un petit peu mieux comme ça. On a ceci. On va annoncer hyper intéressant. Niveau soin, ouais, j'ai 2% de vol de vie, c'est tout. C'est pas ouf, hein, va falloir que je commence à prendre un peu sustain, moi. Portez un vol de vie, je vous dis. Portez la moins 50 chez moi. Ah merde, je suis mort. À 6 secondes à tenir encore. T'as une maudite en plus, bien joué. Allez, une seconde, ça passe. Ouf. Les dégâts élémentaires, ça sert à rien. Les dégâts tout court, l'ingénierie, j'ai rien dans l'ingénierie. Ah ouais, des petites choses éthérées, c'est cool.
Alors du coup, j'ai plutôt basé sur mêlée, donc pas le sceptre, plutôt la hache. Trois boucliers, on aurait déjà tapé un peu plus fort. La vague se referme sur moi. Ils ont des grandes dents, ceux-là! Ouais. Une grosse armure aussi. On peut faire une petite balourde qui tire la langue. Hein. On peut se discuter, hein. Car c'est quand même un chiant esquivé. On va reprendre un peu de portée parce que, mine de rien, ça commence à bien tomber. Pareil, on va booster un peu l'XP. C'est pas le genre de jeu où tu prends du pourquoi pas en général. Ah, du pourquoi pas à 20 sous, ça va. Ouais, mais enfin, ça n'apporte rien du tout à 20 sous. Ça m'apporte que si je trouve la fée, j'aurai un objet de plus. Ouais. Ça reste un sillon. Ah, les longs croix, les longs croix. Oh, les longs croix. Elle est grosse. Elle veut pas mourir. Ouais, si. Ah, putain, elle s'est cachée dans la mêlée. Ouais, pas réussi à le finir non plus. Quelques PV. Oh, bah, why not? Oui, bon, de toute façon, c'est gratuit. Donc. Pas de la régène de PV, carrément. Et... mettre un peu de PV max, quand même. Ouais. Ah, un truc maudit, sérieux? Pour prendre un peu de boost d'XP. Oh oui, un autre hameçon. En direct. Et puis c'est pas maudit. Très bien les choses mieux. Est-ce que tu te mets sous pour randomiser? Non, ça vaut pas le coup. Moi j'ai rien qui. C'est l'heure des petits neufs. Oh non! Déjà! Oh, c'est la vague 9, hein. Hé, hey, ben, sale bête. Ah, il a posé. Ah, il a réussi à en faire mettre un. Ah, c'est ouf, il veut pas crever. C'est hyper solide, ce machin. C'est trop cool. Ah, je suis morte. Ouais, à mon avis, ça sent pâté, là. Hein. 20. Tellement... pas les tuer, donc ils vont continuer de multiplier le plus utile. Hein. Oh la vache! Oh les lames! Ah, les lames dans tous les sens là! C'est chaud, c'est chaud! Elle est plus dure cette nouvelle map! Hein. Ah oui, elle est plus dure cette nouvelle map, clairement! Ouais. En plus, on a le 100% de santé des ennemis hein, qui jouent du chef! Oui, oui! Tu veux qu'on réessaye? Ou tu veux changer? Non, je veux bien réessayer, ouais! Et du coup, je vais changer ma. Ma stratégie. Typiquement le bâton. C'est marrant parce que du coup quand il fait aléatoire, il te
Enfin, quand tu recommences exactement dans les mêmes conditions. Ouais. Ok, on va tout de suite prendre un peu de régène. Eh oui, ben ça arrive. Hein. Bah... Il y a quand même quelques trucs là. Tu le sens. Bah, je le sens pas. Donc on recommence avec une torche. Non, c'est bon, c'est bon. De toute façon, tu choisis aléatoire au début, tu choisis la difficulté. Hein. Ah, mais je sais, mais... PV, ça c'est un bon petit boost pour démarrer et un bouclier maudit excellent. Et là, et bah celui-là. Voir si on peut pas maudire le reste. Oh ouais, ça fait chouin, ça fait chouin, non mais oh. Récolte, ok. T'as déjà 4 papillons. Ouais, là ils sont bien tombés, mais après c'est du gris. Hein. Oui, mais. En plus, il y en a un qui est maudit, donc ça va me permettre de le répondre. Ça fait plaisir, les bouclières. Comme tout à l'heure, c'était un peu chiant. Il y a aussi ce côté-là de l'aléatoire, faut que ça passe bien pour les deux, quoi. Ah, c'est de la portée du gain d'XP, ouais, donc je peux prendre de la chance avec. Chaud ça. Hein. Arrête à la truc de bûcheron, on peut vite péter des. Bah oui, puis peut-être moyenné vu que c'est que la vague 4 quoi. J'ai un petit peu de régène même si c'est pas ouf. C'est toi qui vas commenter ce qu'il veut. Bah on va essayer. Décède-toi. Ah, je suis morte. Oh, deux maudits. GG. Paris, c'est le toit. 10% d'ennemis. Oui, bah, un peu non. La régène de la chance. Ah, un petit chapeau lisse maudit. 17 de chance. L'eau bouillante des dégâts élémentaires dans l'ingénierie. Oh bah, je vais prendre la torche du coup. Ça c'est très bien. Ah oui, la torche, ça a très bien du coup. Ça fait plaisir, une petite torche.
une torche et je crois que j'ai 2 saucisses. On va commencer à... Voilà, tu commences à maîtriser un peu mieux le perso. Lance. Lance maudite. Langue maudite. Parfait. Le bébé calamar. On évacue 6. Aussi, ça aussi. On va essayer. Au moins un jet de malédiction. On a la corne de licorne. Ouais, la corne de licorne, exactement. Chaud, mes PV! Morte. 10. Je vais te dire, je t'ai sorti une caisse en haut pour te soigner. Mais... Ah, il y a un peu d'esquive quand même. Oh, ouais, une torche. Alors, hérisson maudit. Très bien. On va prendre ça. Cristal, quoi. Le cristal, 5% de vitesse d'attaque, 1% de vitesse d'attaque toutes les 1 seconde. Le bonus est perdu en cas de dégâts. Arrête de prendre des coups, là. Je suis pas sûr que Chocho soit capable de gérer ça. Peut-être falloir que je commence à fusionner quelques armes, moi. Non. Il est maudit bleu, je pense. Je vais prendre de misère une coupe, voilà. Oh, enflammé. En plus, ça fait des dégâts de mêlée. J'aime bien. Et ça, j'aime bien aussi. Faudra de la thune. De la thune. Ça faut tuer des gens. Faut pas mourir. Aussi. C'est effectivement un détail qui a son importance. Beaucoup de maudits là. Ah, je suis morte. 5. Raté le maudit. Combien en vitesse d'attaque? Rien. On va faire un gros build, mais on prend des dégâts aussi un petit peu chouchou. Ah, l'adrénaline maudite. C'est long ça. Un éclat corrompu. Et on va booster un peu. Mais aussi, parce que mine de rien. Ça picote. Je recycle mon bâton. Non, on aura ça aussi. Ok, c'est parti. Ah ouais, ça tape bien mieux là. Enfin, ça. La vie, elle tape moi aussi, mais. Remonte, vie, remonte! Pas trop de retard d'XP, je suis assez content.
On les sent quand même, les 100% de PV en plus. Les ennemis. Oh bah oui, une saucisse effrayée. Parfait. Bien parce que c'est gratuit, non, parce que... Ça va pas monter mes dégâts alimentaires de ouf, hein. Bah oui, puis ça fait des malus, moi je l'aurais vendu à ta place. Ah ouais, mais ça me le monte de 1. Ah oui. Oui, mais moi je trouve que c'est pas si... moins 8 de chance. Vol de vie, on est à 0. Hein. Ça vaut pas la peine de partir sur de la lame maintenant. Une citrouille. C'est de là. Oh bah oui, ça c'est... Faire des flammes. Ouais, mais à un moment, on est vague 9, peut-être... Ouais, pareil, tu peux la prendre, c'est pour 33. Je te rappelle, t'as pris un objet inutile pour 20. Et j'ai pas perdu de la thune. Je l'ai pas dépensé. Enfin, je l'ai pas gagné. Non, oui, bon, on parle du petit objet que j'ai pris tout à l'heure, je suis d'accord. Allez, crève l'œuf, merci. Ok, on a réussi à détruire un pondeur, mais ils sont vraiment tanky avec ton malus. Hein. T'as déjà un autre. Un œuf. Il peut tuer son fils. Ah, lui, il est rapide. Merde. C'est la merde. C'est la merde. Mais là-haut. Ah mais en plus ils se déplacent pour te coincer quoi, c'est vraiment des saloperies. Waouh. Vache. Armure. Armure. Hop, c'est maudit. Un petit pingouin. Oui. Ce serait bien quelques armes là quand même. On va peut-être prendre quelques objets même s'ils sont pas maudits histoire de faire popper. 10% de santé des ennemis, hein, est-ce qu'on est à ça près? Bah, je sais pas. Dis quand t'es prête. Je suis prête. C'est parti. Ayam chocho. 3. Oh putain, il est super tranquille là, avec un gros. Mal la mine. De rien. Bon, alors il va diminuer petit à petit le tas. Il se renouvelle de nouveau. Manger là. Passe. Des poumons, ouais. Maintenant, du coup, je recycle ça. Ça va rien me faire monter. Toute la vitesse, je sais combien de vitesse. Rien. Ouais, de la vitesse. Allez. Ouais, on peut aller. Alors, la citrouille maudite. Est-ce que ça rajoute des dégâts du coup? Parce que je pense que ça sert à rien. Par contre, un petit bouclier de plus, on va combiner celui-là pour le passer en violet. Et ça serait pas mal, nous dit.
de suite parce que ça donne de la chance. Non, non, non. Pas utile. Pas ouf. Ouais, ma petite corne de licorne grise là, franchement, va falloir qu'elle s'améliore. Parce que... Ouais, pareil, là, je voudrais bien améliorer mes armes. Putain, c'est le moment des requins. Les requins, wagons. Ah, je suis morte. 20. Requin là, requin là, requin là, on esquive. 10. Là, 5. Ici, deux fruits là qui me plaisent bien. GG! Ouais, c'est chaud, hein. Pas parti sur le vol de vie, là. Ça, ouais. Toi, il était temps que t'aies cet objet qui tombe sur toutes tes bulles, tu l'as jamais eu, je crois. Pas forcément. Allez, survivons encore une vague de plus sans avoir augmenté nos objets. Ça va avoir du mal à tuer les maudits là. De... Pas eu le temps de aller jusque là. 15. 10. Bague derrière moi là. 5. Ah, GG. Ok, l'origine. C'est pas de question. Ouais. Ouais. 87% de gain d'XP avec 13. On a bien les menottes. Vos PV max sont plafonnés à leur vitesse actuelle. On va essayer de le maudire. Ce truc. C'est quelqu'un qui permet de donner moi des armes, quoi. Pareil, comment ça. Ouais, est-ce que ça vaut vraiment le coup du coup? Non, je vais pas le garder ça. Le prix de poisson qui font la gueule là. Plus il y a des requins quoi. Arrêtez de tuer les armes, c'est pas bon. Ah, je suis morte. Secondes encore. 10. 5. Il est. Waouh. Vous sur la portée moins 107. Ouais. C'est ça qui va me changer ma vie. Ça c'est nul par contre. Vitesse ou de la vitesse d'attaque? La vitesse d'attaque.
lance de loot, on va pouvoir l'inviter. Ça, on va le prendre du coup. Oui, vous le savez déjà, ça fait mal là. J'ai donné une torche. Usine de poche maudite. Plus d'armes apparaissent, si tu as une arme, fait apparaître une tourelle. C'est pareil, c'est pas si mal, ça aussi. Il faut d'avoir des armes, on va essayer de multiplier un petit peu. Non, les morses. Et sur le champ de bataille. Les morses avec le 100% de dégâts, ils vont être point faible. Je sais pas si on les a déjà passés au final, si peut-être une fois. Je suis pas sûr. Ah, je suis morte. Ah là là, t'abuses. Ben je sais, 10. Stink. Alors là, faites une marche en diagonale pour tousser. Oh, oh la vache. La grosse charge de la fin là. Oh. Ah, il est dur ce niveau. Hein. Ah ben il est dur ce perso, c'est ma faute. Je vais peut-être prendre un autre. Un moment. Ou un ancien. Un ancien, ouais. Le chanceux ou... Un truc... Le rouage. Il fait... Il faut des armes de grade 4. Il faut pas que tu prennes de... D'objets de grade 1. Allez, on va prendre le rouage. Du coup... Ça marchait pas trop mal, ça, mais... de la portée. C'est con. Musical, ça fait quoi déjà? Musical, ça montait la chance. Bah je sais pas, j'ai rien vu d'autre de musical à part le loot. Ouais. Je vais reprendre ça, ça marchait bien. Ah, j'ai pas validé. Ouais, vachement vite. Une impression parce qu'il y a peu de monde. Alors, tout ça c'est très mauvais. Oh bah oui, on peut prendre la saucisse. Effectivement, du coup, là mon but il est. Ouf! Il est de grade 1 le but que j'ai pris. Ah, la saucisse aussi! Quel con! La saucisse aussi, elle est de grade 1. Ah, bah oui, c'est marqué, hein. Ah! Bon, bah, ne pas faire la connerie pour les 18 vagues suivantes. Alors là, je demande à voir. En plus, il y a eu la Quality of Life qui le montre. C'est pas comme si j'étais débile. Bah, si, du coup. Bah, oui. C'est probablement que t'es débile. Pauvre chouchou. Personne qui m'aime, je suis trop con. De vitesse, allez. Il y a un peu de skis. Je
Non, on prend pas le chapeau. On prend pas l'arbre. Oh, l'arbre, c'est tentant quand même, mais du coup, avec ma connerie. Ah non, mais il faut choisir. Hein. Combien t'as de PV, combien tu peux te permettre de perdre. Hein. Ah, j'ai 10 PV. Qu'est-ce qui est absolument nécessaire. Les arbres, c'est cool quand même. Oui. Ah, et maxer la chance, ça pourrait légitimer des grades 1, quoi. Ça pourrait compenser ça. Tu peux prendre des armes différentes, ouais. Mais ouais, non. Bah, je sais pas ce qu'il y a musical. Il y a les supports, je pourrais prendre du support. Ouais, non. C'est dur, hein? Ah bah oui, oui. Je pense qu'on a déjà réussi avec le roi. Oui, je pense aussi, mais là... J'ai commencé bien en me disant « Oh, la saucisse, c'est marrant d'avoir un peu de sustain. » En plus... Pas du tout de sustain, la saucisse. Je veux dire du dégât en plus. Ouais, du... Comment on dit? Du dégât, ouais. Ouais, du dégât. La brûlure. De la mort subite. Est-ce que je peux me permettre de prendre de la chance avec lui? Ouais, un peu. Ah ben voilà, je peux reprendre mon lutte. C'est combiné. Ça, c'est pas mal. Ça m'enlève déjà un peu de... Ah! Cette fois-ci, je fais pas la connerie, je le verrouille. Ça, je peux prendre. Ça me donne de l'armure, ça m'enlève des dégâts. Mais je peux le prendre quand même. Bah, de toute façon, il va falloir que tu prennes les objets qui te mettent pas de malus. Hein. Même s'ils sont pas forcément parfaits. Par contre, on sent qu'ils ont plus les 100% de PV, hein. Ça fait plaisir. Ouais, bizarrement, ça se passe... plus facilement pour les tuer. Enfin, on dira pas ça quand ça sera de nouveau les requins, mais... Je pense que là, les requins, on pourrait les buter, si on a un peu pas monté d'ici là. On est occupé, le chat. Un peu gridé pour aller chercher la malédiction, là, mais... Je vais te dégager l'élémentaire, c'est intéressant. Bof. Bah, part pour ta saucisse et encore. Ouais, c'est ça, à part pour ma saucisse et encore, autant prendre des dégâts bruts, quoi. Bah oui, ça sert à rien de miauler alors que tu peux monter sans qu'on t'aide à monter. C'est de la... mêlée. Ouais, mais attends, je vais peut-être mieux prendre... Non, je vais prendre du dégâts. C'est dur hein, de choisir, hein. Le feu de camp maudit, parfait. Allez, c'est le bouclier, il maudit pas le prochain coup, je le prends quand même. Chirurgie des yeux, c'est pas bien. Bah. Ouais, bah. Tout ça match avec ta saucisse. Oui. Ça match avec ma saucisse, mais. Ouais, tu perds à la portée, ça te fait pas grand chose, quoi. Tu perds pas grand chose. Et salut Ardari, merci pour le raid. Bienvenue les raideurs. Bienvenue tout le monde. Bienvenue sur la chaîne Petronas. Merci pour le follow. J'espère que vous allez bien. Que le live s'est bien passé. Arrivé sur sa marche avec ma saucisse, c'est Collector. Salut Sobeka, salut Ardarin. Ça marche avec sa saucisse, hein, la saucisse de Chobiti. Je précise. Le live a eu des couacs de gestion. Ah zut, c'était du quoi, du Timberborn? Tu me dis quand? Bah je suis prêt.
J'ai ma croix. Hein, oui, mais tu parles en même temps, alors... Ah oui, mais je peux parler en même temps, ça c'est la croix aussi. Je savais pas que t'étais multitâche. T'as contaminé plein de pauvres bêtes. Ah là là. Aucune pitié pour les bestioles. Est-ce que dans les pauvres bêtes, il y avait des castors ou pas? Tu peux pas mourir, toi? Ça devient vraiment trop mou, là. Faut que j'améliore ça. Aïe. Putain, la vache. Faut la moitié de la vague pour tuer un monstre maudit, quoi. Que des castors. Ah bah... C'est pas très très gentil, ça. Faut que je maxe ma chance aussi, à un moment. Ah, okay, ouais. On va prendre ça, du coup, on va prendre oh, ça. Oh, ouais, ça c'est... On va garder le petit poisson et essayer de l'améliorer. Ah, ça c'est pas mal aussi, oui. Ça c'est cool. Oh, un minigun. Bon, c'est pas du tout notre trip. Ah, mon luth. T'as pas fait exprès, tu découvres les concepts toi aussi, Ardarin. Du coup, bah, sans faire exprès, tu testes des trucs et d'un seul coup tout le monde décède. Nous, on tue des poissons. Et d'un seul coup, des fois, c'est nous qui décédons. Il y a plein de fruits à gauche si tu veux. C'est vrai que ma santé était peut-être un petit peu faible. Alors peut-être que je m'occupe de cette chose qui m'a santé. Hop là, on esquive. Ah, la mourue. En plus pour taper l'arme du coup. Là, je pense très bien ça. Mais j'en ai rien à foutre de la distance. Ouais, confirme. De l'armure. Je suis un roi. Non mais... L'appât, c'est peut-être pas le bon plan. Tyler... Fermier ça. Et ce serait cool qu'on arrive à maudire le bouclier là. Telle bête. Ma vie, ma vie, ma vie. Alors là, il y a un arbre. Ok, il y a un maudit qui est ressorti là, mais. Je suis pas sûr que j'arrive à en faire grand chose. En plus, il y a des gens qui vont popper sur le chemin. Je suis pas. C'est pas très gentil ça. 10. 5. Ok, ça passe. GG. Dégâts élémentaires, c'est nul, ça c'est pas si pire. De l'esquive, des changements de critique, de l'esquive peut-être plus sain. Ah ouais, mais... Pas maudit. Comme ça. Si j'ai le machin qui fait que... Oui. C'est ça. Tu veux qu'on tente le petit pan? On peut, oui. Je vais juste prendre ça, du coup. Ça aussi, ouais. On maximise un peu les dégâts, du coup, si on fait ça. Permettra de rattraper un peu mon retard d'XP. Tu l'as pris le pan? Oui. Ah, c'est l'empereur. Les élimine quand même vachement mieux. Hein. Faut que je me trouve du vol de vie ou de la régène. J'ai rien du tout pour gérer ma vie. Ça, c'est tendu qu'on a rien du tout. Bien. Je le dis. Il a tapé, mais. Il se crée un jardin. Oui, c'est bien le jardin déjà.
Et ça passe. Des brûlures s'activent 20% plus en bas. Pas beaucoup, ça me sert vraiment à rien, ça, moi. Ah non, je l'avais pas pris le pan, t'as raison. Bah du coup, je prends le pan. Je le disais bien. Hérisson maudit, je prends le casque, on va essayer de le mollir. Ça aussi. Comme ça, quoi! Eh non. Bah après, ça max la chance un peu, ça peut s'entendre quand même. Tu prends ton lutte là aussi, pourquoi tu le prends pas? Oui, parce que je voudrais qu'il soit maudit. Ah, t'as pris un hameçon? Ah oui, t'as trouvé un hameçon. En effet, avec un hameçon, ça s'entend. J'ai un peu de thune. Quand t'as de la thune et un hameçon, oui, ça vaut le coup. Ouah, ma tronche, je t'ai vu ma tronche. Ah ouais, c'est la vague avec les neufs, c'est vrai. C'était peut-être pas une bonne idée. Le pan. Ah ouais. Déconne pas, toi. Tu es morte? Oui, t'es morte. Oui, non, mais voilà. Je crois que je nous ai confondus un moment. Oh, le peuple qui a plus les saloperies qu'invoque des épées là. 30. 30, sérieusement? Chaud, hein. Continuez de faire des œufs en boucle là. 20. On approche, c'est la fête des épées. 15. Wouah, la vache! 10. Oh! Ouais, non, non, là, une épée, c'était la mort. Ah, c'est ma faute. Non, bah, du coup, on va arrêter l'épisode de VOD sur ce run, hein. On va recommencer. Pas grave. Il y a bien un moment, ça va passer. J'espère que cet épisode vous a plu. Du coup, merci aux raiders qui viennent d'arriver. Si vous voulez dire au revoir à la VOD, c'est le moment. Et puis, bon, on va se dire à très vite pour la suite. Et bien sûr, on reste en live, hein, pour ceux qui sont sur le live. Bye.